mais la France reste un peuple de race blanche, de culture gréco-latine et de religion chrétienne. Nous sommes un pays, la France, est un pays aux racines judéo-chrétiennes. Voilà. La France est un pays de race blanche. Pour moi, la science, c'est d'abord de parler clairement, de définir de quoi on parle. Définir de quoi on parle, qu'est-ce que ça veut dire égal, qu'est-ce que ça veut dire différent, qu'est-ce que ça veut dire inégal. Et je m'aperçois qu'effectivement, la génétique montre que nous sommes tous différents, mais qu'il n'y a aucune espèce de moyen scientifique, même avec beaucoup de mathématiques, même en prenant des tests les plus compliqués, de fonder la moindre hiérarchie sociale sur ce que nous avons reçu génétiquement. Ce que faudrait-il pour fonder le racisme? Il faudrait deux affirmations. Un, les races humaines, ça existe. Et deux, les races humaines, on peut les hiérarchiser. Et il faudra donc s'adresser à la science pour savoir si ces deux affirmations sont correctes. Or, il se trouve que la science les détruit l'une et l'autre.